On font y parler à dé. On font y causer à dé. Mais de vérité nous souje pour yo baban vie chai poté. Je ne peux plus respirer. Il est de ces phrases qui ont la vertu de marquer les esprits au burin et au fer rouge. Celle que répétait George Floyd sous le genou de son impassible et triomphant assassin m'a hanté au cours des dernières nuits. Je ne peux plus respirer, il répétait cela encore et encore, ad nauseam. Dans un dernier élan d'instinct de survie, il a ajouté « Sir, please, entendons, monsieur, s'il vous plaît. » Puis il est resté tout doux avant de s'éteindre. Il est mort après avoir été l'objet des crocs en jambes des agents de police de Minneapolis. Il est passé de vie à trépas parce que ce monde-ci était indigne de lui. Je ne peux plus respirer. Il me semble qu'au-delà du ponctuel et de l'anecdotique, l'assassinat tragique de Floyd nous lance deux messages fondamentaux, voire élémentaires. 1. La respiration est à la fois un geste naturel du vivant et un indicateur de la vie, en sorte que celui qui vous coupe la respiration cherche à vous couper la vie. Le cri de détresse de Floyd devrait ouvrir les yeux des peuples opprimés sur les structures systémiques et asphyxiantes et strangulatoires de leur milieu de vie. En vrac, le racisme et ses déclinaisons, c'est-à-dire l'esclavage, la ségrégation, l'ethnocentrisme, l'ethnonationalisme, le profilage, la discrimination basée sur la couleur, l'origine ethnique, la religion, le genre, l'orientation sexuelle, etc. 2. Il ne faut jamais dire s'il vous plaît à son oppresseur quand il s'agit de défendre ses droits. Jamais. Un droit aussi inaliénable que celui de la vie ne se négocie pas, encore moins avec son bourreau, car il est prouvé que l'oppresseur ne se laisse pas toucher par les gémissements de l'opprimé, mais qu'au contraire, les supplications de celui-ci laissent la fausse impression que le tortionnaire détiendrait un droit de vie et de mort sur l'offensé. On ne dit pas « s'il vous plaît, laissez-moi respirer », on défend son droit à la vie avec ardeur et vigueur. Faut-il pour cela utiliser les mêmes armes que l'oppresseur lui-même? Oui, vous avez bien entendu. Enfin, pour que Floyd ne meure pour rien, les peuples opprimés doivent intégrer un certain nombre d'enseignements de l'histoire. Avoir une conscience identitaire forte. Car quoi qu'on dise, il y a deux catégories d'humains, les oppresseurs, les privilégiés, et les opprimés, c'est-à-dire les déshérités. Les opprimés doivent refuser de pardonner à leurs oppresseurs, car le pardon, c'est la propagande des oppresseurs, et c'est la vertu imposée aux opprimés. Les opprimés doivent se prendre en main, s'organiser et se doter d'institutions politiques et économiques fortes. L'oppresseur ne comprend que le langage de la violence et celui de l'argent. Le respect s'impose, mais ne se négocie pas. Les opprimés doivent investir les avenues du pouvoir, car c'est par la politique qu'on change les mœurs. Enfin, la véritable justice commande une réparation proportionnelle à l'offense. Je me donne les moyens de respirer. Et vous? Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en nom de Juni Limage. Caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous aujourd'hui?
J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez m'accorder toute votre attention ce matin, car nous allons dire les vraies affaires. Au fait, nous allons nous servir du prétexte tragique de la mort d'un homme pour mettre le doigt sur le système qui produit de telles violences. Il faut éviter une diversion, de parler de violence à chaque fois qu'il y a un assassinat, à chaque fois qu'il y a un mort, et d'attendre au prochain décès, au prochain assassinat. C'est précisément cela que j'appelle la diversion. Non, il faut voir au-delà de l'arbre, il faut considérer la forêt. Au fait, je vous invite à vous poser une question aujourd'hui. Comment se fait-il que ce système produise jour après jour, je dis bien jour après jour, je devrais même dire heure après heure, car si l'on tient compte du nombre d'assassinats dans le monde occidental, si l'on tient compte du nombre de cas de violence, et on va voir qu'il y a plusieurs types de violence, c'est heure après heure que ces cas de violence sont perpétrés, mais on en parle seulement quand il y a une caméra qui a capté une image. Aujourd'hui, pour éviter cette diversion, je vais vous inviter à mettre le doigt sur le système qui produit de telles violences. Et nous allons réfléchir ensemble, à voix haute, sur la manière dont nous, les peuples opprimés, nous devons, je dis bien nous devons, saccager, boycotter le système qui produit de tant de violence. Nous sommes en 2020. Moi, l'objectif que je me fixe, et je voudrais vous inviter à vous joindre à moi, c'est que nous soyons la dernière génération au cours de laquelle ce type de violence-là se commet. Pour y arriver, nous devons déconstruire le système qui produit ce type de violence. Je ne voudrais pas que mes enfants, mais que les enfants de mes enfants aient à vivre ce même type de tragédie qui devient banal. Pour y arriver, j'ai la prétention de nous dire aujourd'hui comment faire. Alors, posons-nous la question, d'où vient que ce système produise tant de violence? D'où vient finalement que le système banalise ces cas d'assassinat? Aujourd'hui, on parle de Floyd, demain, on va parler de quelqu'un d'autre, parce qu'avant-hier, on a parlé de quelqu'un d'autre. Mais puisqu'il y a eu des caméras, eh bien, oups, la presse en parle. C'est le système qui produit la violence qu'il faut déconstruire. Voilà ce dont nous allons parler ce matin. Je vous invite donc à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, car je vous le dis, j'aurai besoin de toute votre attention pour voir au-delà de l'arbre que constitue Floyd et considérer surtout la forêt qui produit ce type d'arbre qu'on abat heure après heure dans le système occidental. On s'arrête ici, on se retrouve après la musique que voici. À tout à l'heure. Vous vous souvenez qu'avant la pause musicale, je vous avais lancé cette question à laquelle je vous invite à réfléchir et à laquelle nous allons tenter à voix haute d'apporter quelques réponses. Comment se fait-il qu'un système produise tant de violence et qu'en fin de compte, on banalise cette violence? Imaginez s'il n'y avait pas ces caméras de simples citoyens, de simples jeunes pour capter ce policier qui, de sang-froid, mettait son genou sur le cou d'un homme avec la main dans la poche. Donc pour lui, c'était un geste banal. Et quand les caméras le captaient ce faisant, il ne s'en inquiétait même pas. Et si vous suivez bien la vidéo, il fixait la caméra comme pour dire « Filmez-moi si vous voulez, mais je fais mon travail de policier. » Car pour lui, là, n'ayons pas peur du mot. Parlons peu, mais parlons vrai. Pour lui, ce nègre-là, c'est un vulgaire déchet dont
t'en dois se débarrasser dans un état du sud des États-Unis. Parce que c'est pas la première fois qu'on assassine un nègre, c'est pas la première fois qu'on tue un noir, et c'est pas la première fois qu'il y aura procès. Donc il dit, il n'y a rien là, je fais service à mon système, j'accomplis la mission pour laquelle je suis formé. Et quelle est la mission pour laquelle je suis formé en tant que policier dans un état du Sud? Débarrasser mon pays de ces déchets-là, ces nègres-là. Alors, avant Floyd, il y a eu d'autres décès. Avant ces quatre policiers, il y en a eu d'autres. Des policiers qui ont tué des nègres. Il y a eu même des civils qui se sont donné des organisations, pensez au Ku Klux Klan par exemple, dont la mission, et ils étaient des chrétiens, pas vrai? Ils sont des chrétiens parce qu'il y a encore des gens qui se réclament du KKK, du Ku Klux Klan, qui disent notre mission à nous, c'est d'imposer une race de seigneurs, une race blanche, et pour y arriver, nous devons nous débarrasser de ces déchets que sont ces nègres-là. On les lynchait, on les pendait, on les brûlait et on le faisait impunément. La tactique change. On ne voit plus des Ku Klux Klan cagoulés en blanc, avec une croix, symbole du christianisme, brûlant en arrière-plan, tandis que des nègres se font lyncher, des nègres se font pendre à des arbres dans les États du Sud. Les tactiques changent, mais le système reste le même. Et aujourd'hui, je veux qu'on réfléchisse à la nature de ce système qui produit ce type de violence. Puisqu'on va parler de système, j'aime bien, ma qualité de pédagogue, de définir les termes, surtout des termes qui sont galvaudés pour qu'on saisisse de quoi on parle. Quand on dit système, au fond, le mot système dérive de deux mots grecs. Vous avez le préfixe soun qui signifie avec et le verbe istémi qui signifie être. Donc un système, c'est un ensemble dans lequel tous les éléments se tiennent. C'est pour ça qu'on parle de système. Quand on fait une analyse systémique, en sociologie, en sciences politiques ou en administration publique, cela veut dire qu'il faut jamais détacher l'élément de l'ensemble, car pour comprendre l'élément, il faut le replacer dans le contexte de l'ensemble. Et pour saisir l'ensemble, il faut regarder de près chaque élément. Donc, aujourd'hui, on va parler du système occidental. Pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit quand on parle de système occidental, je voudrais vous recommander deux livres. Le premier est écrit par un anthropologue français qui a surtout mené sa carrière universitaire aux États-Unis, du nom de René Girard. Il a écrit un excellent ouvrage qui s'intitule « La violence et le sacré ». Que fait René Girard dans cet ouvrage? En sa qualité d'historien et d'anthropologue, il analyse ce qu'il considère comme étant les textes fondateurs de l'Occident. On va expliquer ce qu'on entend par Occident, car c'est aussi un terme galvaudé, pour faire ressortir le fait que la culture occidentale est bâtie sur la violence. Car les textes fondateurs de l'Occident font l'apologie de la violence. Les textes fondateurs de l'Occident font la promotion de la violence, en sorte que, quand on parle de la culture occidentale, nous dit René Girard, il nous dit tout simplement que c'est une culture qui est construite et qui se maintient par la violence, puisque les textes fondateurs de la dite culture occidentale font l'apologie et la promotion de la violence. Un texte beaucoup plus récent encore, celui-ci, il est écrit par un Américain, c'est le livre de Victor Davis Hanson. Écoutez bien le titre du livre avant que je vous dise de quoi il s'agit là-dedans. Le titre du livre, c'est « Carnage et culture ». Les grandes batailles qui ont fait l'Occident.
Au fond, le professeur Hansen ne passe pas par quatre chemins pour nous dire ceci. Ce qui fait la supériorité de l'Occident, c'est la supériorité de sa violence. Et il dit, l'Occident a été construit grâce à 9 batailles déterminantes. C'est parce qu'on était supérieur du point de vue des tactiques et des stratégies de guerre que nous pouvons dominer les autres. Donc, il n'y a pas à en sortir de là. Qui dit Occident dit violence. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'Occident? Il faut comprendre. Hein? La première fois qu'on va utiliser le terme Occident en contraste avec l'Orient, c'était au 3e siècle, plus précisément en 285. Et on référait alors à l'Empire romain de l'Ouest, autour de Rome, qui avait pour langue officielle le latin. Donc, c'était ça, l'Empire romain, donc l'Empire occidental, je dis bien par opposition à l'Empire oriental, qui lui tournait autour de Constantinople et qui avait pour langue officielle le grec. Comme vous le savez, au 5e siècle, l'Empire occidental va être attaqué et va s'effondrer à la suite d'attaques de ce qu'on appelle les barbares. Et à partir donc du 5e siècle, le terme Occident va recouvrir une autre connotation géopolitique. En sorte que quand on dit Occident aujourd'hui, écoutez bien, on réfère à l'ensemble des États-nations qui sont issus de l'effondrement de l'Empire romain occidental et qui se retrouve essentiellement aujourd'hui en Europe et en Amérique. Donc, quand on dit Occident, il faut bien comprendre, on réfère grosso modo à l'Europe de l'Ouest, les États, les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis et le Canada. Quand on dit Occident, puisque c'est une notion géopolitique, cela veut dire aussi un certain nombre d'autres choses. Les pays occidentaux sont semblables en ce que ils se sont donné une superstructure qui est influencée par le judéo-christianisme. Vous allez remarquer que quand on parle de pays occidentaux, on va tout de suite comprendre que ce sont des pays judéo-chrétiens. Même si les gens ne vont plus à l'église, même si les gens n'ont plus de Bible en main, même si les gens ne dépendent plus, n'est-ce pas, d'un prêtre ou d'un pasteur pour s'expliquer le monde, l'idéologie du monde occidental demeure une idéologie judéo-chrétienne. Ça va? En sorte que l'Occident se définit encore comme un monde chrétien. Quand on dit aussi Occident, on parle de système économique qui est essentiellement le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent comme on veut, n'est-ce pas? Pourvu que ce soit légal, eh bien, il n'y a pas de limite à l'enrichissement, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas, à la rentabilité. Et si on est pauvre, on est responsable de sa pauvreté parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment. Mais quand on dit surtout l'Occident, écoutez bien ce que je veux vous dire, c'est une civilisation qui s'est imposée aux autres États, aux autres contrées, aux autres régions du monde par la violence. Au fond, celui qui, le premier, a mis le doigt sur ce trait fondamental de l'Occident, c'est le très érudit sénégalais Cheikhanta Diop. Il a montré comment, quand on dit l'Occident, on réfère essentiellement à une culture de privation. C'était ça les Occidentaux. Imaginez l'Europe, qui sont des pays nordiques, des gens, n'est-ce pas, qui doivent faire face à des privations saisonnières, selon qu'on est en hiver, n'est-ce pas, on souffre de faim, et quand on est en été, alors les fruits recommencent à apparaître, les animaux recommencent, n'est-ce pas, à apparaître, et alors on part à leur chasse. Mais dans d'autres saisons,
Les gens meurent de faim, ils se font la guerre sur ce continent, ils se mangent entre eux, ils sont des cannibales. Jusqu'à ce que, à compter du 15e siècle, ces pays européens décident d'aller voir sur d'autres continents en quête d'autres sources de richesses. Ils arrivent par exemple sur le continent africain et ils découvrent que, contrairement à ce qui se passe chez eux, où les saisons rythment soit la prospérité ou la famine, eh bien en Afrique, les gens ils ont le soleil tout le temps, les animaux sont là, n'est-ce pas, en permanence, les fruits sont là en permanence, et donc ils n'ont pas l'obligation de se faire la guerre pour des ressources vitales, ils n'ont pas l'obligation non plus de se manger entre eux, donc d'être des cannibales. Alors là, ils ont décidé, pour leur propre survie à eux, de faire trois choses. La première, envahir ce continent. La deuxième, s'accaparer des ressources de ce continent. Et la troisième, s'emparer de la personne des habitants de ce continent pour qu'elle travaille pour eux, les Occidentaux, à toujours. Et vous devez comprendre cela. Quand on va parler de l'Occident, il faut comprendre que non seulement c'est une notion géopolitique que je vous ai expliquée, un ensemble de pays essentiellement européens et nord-américains qui sont issus de l'effondrement de l'Empire romain au 5e siècle, 4e, 5e siècle. Quand on parle d'Occident, on veut dire une civilisation, n'est-ce pas, judéo-chrétienne comme superstructure. Mais quand on parle d'Occident, on dit aussi un ensemble de pays qui, pour leur survie au XVe siècle, ont choisi sciemment d'aller sur d'autres continents, sur un autre continent en l'occurrence, l'Afrique, pour faire trois choses. Envahir ce territoire, s'accaparer des ressources de ce territoire et s'emparer de la personne, enfin de la personne de ces populations-là, pour qu'elles travaillent définitivement pour eux. En sorte que l'Occident, à sa fondation même, l'Occident, à ses débuts même, a choisi de se construire sur la violence. Et il faut faire un pas de plus. Quand on dit système occidental, j'ai lu pendant les derniers jours un ouvrage qui m'a beaucoup éclairé pour comprendre le système occidental et qui a pour titre « La férocité blanche ». C'est écrit par une journaliste du nom de Rosa Amelia Plumele Uribe. Vous n'avez pas besoin de retenir le nom, mais surtout retenez le titre du livre « La férocité blanche ». Et ce que cet auteur nous fait comprendre, c'est que au fait, en termes de rapport humain, l'Occident est construit sur une dynamique dualiste. Des seigneurs qui se considèrent comme étant supérieurs, qui vont créer un paradigme de supériorité, et des vassaux qui sont condamnés à travailler pour eux. Et vous allez voir. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que l'Occident est raciste, est-ce que l'Occident est un système raciste. Au fond, c'est une question très dérisoire, c'est même une question subsidiaire, c'est même pas une question importante. Ce qu'il importe de comprendre, c'est comment l'Occident en tant que système a réussi à dessiner un rapport humain dualiste. Une race de seigneurs qui se donne des privilèges sur le dos d'une race de vassaux, de serfs, d'esclaves et de serviteurs, en sorte que même s'il n'y a plus d'esclavage en théorie, toutes les bases ont été jetées pour que le système ne change pas. Soit que vous soyez du côté des seigneurs, donc du côté des privilégiés, ou alors que vous vous retrouviez du côté des vassaux, du côté des déshérités. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que c'est normal qu'aux États-Unis, par exemple, une famille
de trois membres blanches, une famille blanche de trois membres, gagne en moyenne 10 fois plus qu'une famille noire de la même taille dans le même pays. Hey. Hey. Les États-Unis qui se présentent comme le pays de l'égalité des chances. Est-ce que c'est normal que dans ce pays-là, et l'exemple des États-Unis, on va le voir au Canada, on peut le voir en France, trouvez-moi n'importe quel pays occidental, c'est-à-dire des pays essentiellement de l'Europe de l'Est et des Amériques, vous allez retrouver le même pattern, le même paradigme. Une race de seigneurs dont tous les privilèges reposent sur la corvée, sur le travail d'une deuxième race qui est la race des vassaux, qui est la race des serfs. Donc, je disais, est-ce que c'est normal qu'une famille blanche de trois membres gagne en moyenne 10 fois plus que la même famille noire? Les deux familles évoluent dans le même pays, elles évoluent dans le même état, mais à quelques rues près, une famille va gagner 10 fois plus que l'autre. Ça, c'est un premier fait. Est-ce que c'est normal, selon vous? Ou alors, est-ce que c'est par hasard que, en moyenne, un noir va être 2 fois moins éduqué qu'un blanc dans le même pays? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est mis en place aux États-Unis pour faire en sorte que la race des seigneurs ait plus facilement accès à l'éducation que la race des vassaux ou des serfs? Mais vous me direz, ah, mais c'est les États-Unis. Parlons donc du Canada. Est-ce que c'est normal que, même si le noir est plus éduqué que le blanc, hein, peu importe la province considérée au Canada, c'est la même réalité, que l'on soit au Québec, que l'on soit en Ontario ou ailleurs. Pour le même noir qui a plus d'éducation, qui a plus de diplômes, vous considérez une population noire, le taux de chômage de cette communauté-là, vous la comparez à la communauté blanche, qui a moins de diplômes, qui est parfois 2 fois moins scolarisée, le taux de chômage dans la communauté noire sera 2 fois plus élevé. Et si jamais le noir travaille et qu'il occupe précisément le même emploi que le blanc, son salaire sera inférieur par rapport à celui du blanc, jusqu'à 10 000 ou 15 000 dollars par année. Comment ça se fait, enfin, que dans un quartier où la police vient faire des vérifications de routine, et il y a un sondage qui est sorti, comment ça se fait qu'à Montréal, par exemple, et c'est la même chose, n'est-ce pas, à Toronto, en Ontario, un noir, un arabe, ou un asiatique, ça veut dire un non-caucasien, a 5 fois plus de chances de se faire interpeller par un policier qu'un blanc. Donc vous notez que on change d'année, on change de pays, on change de policier, mais les pratiques demeurent les mêmes. Pour quelle raison? Parce que c'est le système qui produit ce type de comportement. Je veux qu'on me comprenne. Je l'ai dit au début de l'émission. On est dans les rues avec raison pour réclamer justice pour Floyd. Et remarquez comment l'autorité américaine était cachotière. Dans les heures qui ont suivi la mort de Floyd, on nous a sorti une autopsie laissant croire que ce n'est pas le policier qui a tué Floyd par asphyxie, mais il serait mort parce qu'il se serait inoculé, il aurait pris, n'est-ce pas, un type de drogue qui finalement a compliqué sa respiration, donc il ne serait pas mort d'asphyxie. Heureusement que la famille était vigilante, on a demandé une deuxième autopsie et c'est alors que finalement on a dit non, il est vraiment mort par asphyxie, auquel cas la responsabilité du policier est pointée. Mais les amis,
Ces policiers-là, je suis sûr, seront jugés. Je ne sais pas s'ils seront condamnés, parce qu'on a déjà vu d'autres policiers commettre le même type de crime crapuleux et être blanchis au terme du procès. Je ne sais pas s'ils seront condamnés, mais même s'ils étaient condamnés, il y aura d'autres policiers qui vont commettre le même type de forfait, le même type de méfait, le même type de crime. Auquel cas, je vous invite à ne pas nous laisser distraire par la mort regrettable d'un homme, ne pas nous laisser distraire par l'arrestation légitime de 4 policiers et nous questionner sur le système. Que fait le système occidental? La première chose que fait le système occidental, c'est qu'il décide qu'il y a une race qui est supérieure et que cette race, c'est la race des seigneurs. J'ai plein de collègues blancs, j'ai plein d'amis blancs. La question, ce n'est pas tant de savoir est-ce que tous les blancs sont racistes. Au fond, ce n'est même pas la question à se poser. En sociologie, il y a quelque chose qu'on appelle la désirabilité sociale. Puisque le mot raciste est de plus en plus honni, à moins que quelqu'un soit un imbécile, il ne se présentera jamais devant les caméras, ni ne se présentera dans un salon pour dire devant les non-blancs, devant les non-caucasiens qu'il est raciste. Non, c'est pas ce qu'il faut poser comme question. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous faites partie de la race des privilégiés ou bien est-ce que vous faites partie de la race des déshérités? Je vais vous prendre quelques exemples. C'est prouvé que pour le même CV, pour la même expérience de travail, en fonction du nom que vous portez, vous serez convoqué en entrevue ou vous ne serez pas convoqué en entrevue. Si vous n'avez jamais raté une entrevue parce que votre nom ne vous condamne pas au ratage de l'entrevue, c'est que vous faites partie de la race des privilégiés. Et c'est gênant. C'est gênant parce que en un temps où on fait la promotion du savoir, en un temps où on fait la promotion des mérites, quand on est en Occident, la plupart des Caucasiens obtiennent ce qu'ils obtiennent, pas nécessairement par leur mérite, mais parce qu'ils font partie de la race des privilégiés. Donc à la question, est-ce que vous êtes raciste? Il ne s'agit pas de savoir si oui ou non vous êtes raciste, mais c'est plutôt jusqu'à quel point vous êtes prêt à renoncer à ces privilèges-là pour qu'on vive dans un monde plus égalitaire, dans un monde plus égalitariste. Est-ce que c'est normal que des gens qui ont été exposés au même niveau d'éducation, qui ont passé, n'est-ce pas, les mêmes tests que vous et qui sont même sortis avec de meilleures notes que vous, est-ce que c'est normal que ces gens-là soit condamné à obtenir un poste infiniment en deçà de leur mérite, infiniment en deçà de leur qualification, parce qu'ils n'ont pas le bon nom de famille ou parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. C'est le système occidental qui produit cela. Il y aura une race de seigneurs, donc de privilégiés, et il y aura une race de déshérités, et donc d'opprimer. Vous me dites, ah, ne me condamnez pas. C'est pas moi qui ai mis en place ce système. Je vous comprends. Mais juste avant que j'aille à la pause, je vais me servir d'une illustration. Tout le monde est contre la mafia, pas vrai? Tout le monde, ou à peu près tout le monde, a vu le film Le Parrain. Imaginez, il y a une génération des mafiosos qui auraient commis toutes sortes de crimes, qui ont tué, qui ont vendu de la drogue, qui ont eu les mains trempées dans toutes sortes de crimes pour se construire un patrimoine familial de richesse. Et aujourd'hui, ils ont des hôtels, ils ont des biens dans l'immobilier, etc. Une génération plus tard, les enfants ne tuent plus. Les enfants ne vendent plus de la drogue. Les enfants ne font plus dans l'illégal. Mais il ne s'agit pas de demander aux enfants, est-ce que vous êtes des mafiosi comme
vos pères et grands-pères, il faut plutôt se poser la question, la richesse dont vous jouissez aujourd'hui n'est-elle pas en elle-même illicite? Et vous me voyez venir. La richesse de l'Occident, la richesse de la race des seigneurs, sur laquelle cette race des seigneurs, n'est-ce pas, enfin de laquelle cette race des seigneurs tire gloire et continue d'exploiter une autre race qu'on appelle la race des déshérités ou la race des opprimés, est-elle licite? À cette question, on va répondre non. Donc, c'est bien facile pour vous de dire, ah, mais écoutez, moi je ne suis pas un mafioso, je n'ai pas commis de crime, je n'ai pas vendu de la drogue, mais sauf que la richesse dont vous jouissez, elle vient du milieu illicite et illégal. Le privilège des seigneurs vient plutôt de la sueur, du travail, des ancêtres, de la classe, des déshérités. Le privilège dont les Blancs se targuent aujourd'hui, les privilèges dont l'Occidental se targue aujourd'hui, ils viennent du travail par mes ancêtres et qui n'ont jamais été récompensés pour cela. En sorte que, si l'on veut que ce type de crime-là, qui nous a tous horrifiés, ne se commette plus, il y a un pas fondamental que nous devons faire. Nous devons mettre sur pied une commission vérité et justice sur l'origine des privilèges de l'Occident. Et là, nous allons parler du péché originel. Tenez, l'idéologie de l'Occident, c'est l'idéologie judéo-chrétienne. Eh bien, justement, dans le judéo-christianisme, on parle de quelque chose qu'on appelle le péché originel. Et si on parlait de ce péché originel, il a pour nom l'esclavage. Il faut qu'on se questionne sur ce traumatisme. Il faut qu'on se questionne sur cette injustice énorme dont l'impact se poursuit encore 500 ans après. Un impact positif pour la race des seigneurs, un impact négatif pour la race des déshérités et des opprimés. On s'arrête ici. On se retrouve après la pause musicale que voici à tout à l'heure. Droit de l'homme, c'est qu'on s'arrête. La mayotte pour tout le monde fondé. Après des sens, on s'en réglé. Nègre les veines qu'on est soleil, c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Yon bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté. Avant la pause, on s'est questionné sur le péché originel. Au fond, ne nous laissons pas prendre au piège de la diversion. Les racistes et les privilégiés sont les descendants des esclavagistes qui veulent défendre aujourd'hui encore leurs privilèges, tandis que les déshérités ou les opprimés, ce sont essentiellement les descendants des esclaves. Au fait, malgré le fait que l'esclavage a disparu, malgré le fait que les descendants d'esclaves vivent en théorie sur le même territoire et devraient avoir accès, n'est-ce pas, à l'égalité des chances, nous savons que ce n'est pas le cas, en sorte qu'en Occident, on se retrouve avec les descendants des esclavagistes qui sont la classe des privilégiés, les descendants de la classe des seigneurs, et on se retrouve avec les descendants des esclaves qui constituent la classe des opprimés ou des déshérités. Rappelons-nous ce qui s'est passé à l'esclavage. Le saccage d'un continent, le dépouillement des richesses de ce continent, la déportation de la population de ce continent vers un autre continent. Et après cette période noire, qu'on appelle justement la période de l'esclavage, on se retrouve avec les descendants de ces esclavagistes
qui ont droit à toutes sortes de privilèges, tandis que les descendants des esclaves sont privés des mêmes droits ou des mêmes avantages. Il faut se questionner sur cet héritage-là. Ce n'est pas pour rien que ce soit un policier blanc qui ait mis le genou sur le cou d'un Afro-Américain. Il y a un symbole fort. Et regardez de qui va être composé le grand jury qui aura à se prononcer sur la culpabilité ou non de ces policiers blancs. Ce sera un grand jury formé majoritairement de blancs. On est aux États-Unis, mais si on transposait la réalité au Canada, en France ou dans n'importe quel autre pays occidental, on retiendrait la même leçon. Le racisme ou les actes racistes sont commis par les fils ou les descendants des privilégiés sur les fils ou les descendants des déshérités ou des opprimés. C'est là où nous, les descendants des opprimés, nous devons réclamer une enquête en profondeur sur l'héritage de l'esclavage. Imaginez, les amis, aujourd'hui, quand un voleur débarque dans une école, quand il y a un crime qui est commis dans une école, n'est-ce pas, on fait appel à des psychologues, on fait appel à toutes sortes d'intervenants pour aider les enfants à passer au travers de ce traumatisme-là. Nous nous sommes soi-disant sortis d'une époque de l'esclavage. Nous sommes tombés dans la ségrégation. Et étant sortis de la ségrégation, des portes restent fermées sans que personne n'aille en profondeur sur les mécanismes qui font en sorte que même si les termes changent, on ne parle plus d'esclavage, on ne parle plus de ségrégation, mais des portes restent fermées. Malgré le fait que nous soyons en 2020 ou 21e siècle, pourquoi mes enfants n'auraient pas les mêmes chances que les enfants de Bush, par exemple? Pourquoi mes enfants n'auraient pas les mêmes chances qu'un Tremblay, par exemple? Pourquoi vos enfants, à vous qui faites partie, n'est-ce pas, de la classe des seigneurs, devraient avoir plus de privilèges que mes enfants à moi, tandis qu'on continue à se targuer du fait que nous vivons dans des sociétés égalitaires ou dans des sociétés méritocratiques? C'est parce qu'on ne sait jamais poser la question des avatars de ce système esclavagiste qui, même si le mot esclavage, n'est-ce pas, a disparu, les privilèges sont restés les mêmes. Nos enfants à nous méritent mieux. Vos enfants à vous qui faites partie de la classe des privilégiés, n'est-ce pas, ne devraient pas avoir des avantages parce qu'ils sont vos enfants à vous. Pour que cette injustice soit réglée, il faut bien qu'on se questionne sur les mécanismes du système occidental. Je le disais, on fait appel à des psychologues, on fait appel à des travailleurs sociaux quand il y a un crime, quand il y a une crise quelconque dans un milieu de travail ou bien dans un milieu d'école. Et pourtant, un phénomène qui a duré plusieurs siècles et qui a eu, n'est-ce pas, des effets terrible sur une bonne partie de la population humaine. Personne ne s'y est jamais penché. Revenons à quelques souvenirs douloureux et regardons comment l'Occident, au fait, c'est la perversion même de la justice. Les Européens sont arrivés en Amérique. L'Amérique était déjà habitée par des Amérindiens, par des Autochtones. Tout à coup, on dit non. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En réalité, qu'a fait Christophe Colomb? Il a assassiné des millions de gens. Et aujourd'hui, en Occident, on observe un jour de congé aux États-Unis qui est le Columbus Day. C'est le jour consacré à la découverte de Christophe Colomb. Il y a même un pays qui porte le nom de Christophe Colomb, la Colombie. Et dans à peu près toutes les villes de ces pays occidentaux, il y a au moins une rue qui porte le nom de Christophe Colomb. Mettez-vous à la place de ces Amérindiens dont les femmes ont été violées par les Européens, dont les enfants ont été condamnés au travail forcé par les Européens et qui,
plusieurs siècles plus tard, réalise qu'on observe un jour de congé en mémoire de ce génocidaire qu'est Christophe Colomb. Mettez-vous à leur place qui, lorsqu'ils se promènent dans une ville quelconque en Occident, il y a des rues qui portent le nom de Christophe Colomb. Est-ce qu'on réfléchit à ce traumatisme-là? Quand je vous dis qu'en Occident, on a une subversion, n'est-ce pas, de la vérité, une subversion de la justice. Pour rendre la chose plus pratique, imaginez, je ne vous le souhaite pas, qu'un violeur entre chez vous, qu'il viole votre femme, qu'il viole vos enfants et qu'il vous tue. Et plusieurs années plus tard, on rebaptise une chambre de la maison au nom de la personne qui précisément a violé votre femme, qui a violé vos enfants. Que penseraient les descendants de vos enfants à vous? Mais bon Dieu, quelle injustice! On sait précisément ce qu'on fait en Occident. On danse sur le cadavre de nos ancêtres en faisant honneur à précisément ceux et celles qui les ont sacrifiés. Et personne ne s'est jamais dit, mais bon Dieu, comment réparer ces torts-là? Non seulement nos pères ont travaillé pour rien, mais nous, les enfants de ceux qui ont travaillé pour rien, on nous refuse jusqu'à l'égalité des chances en matière d'emploi. On nous refuse jusqu'à l'égalité des chances en matière d'éducation. Donc, les mêmes privilèges se poursuivent malgré le fait que les termes changent. Si on veut faire sauter le système, il faut faire une commission vérité et justice sur le drame de l'esclavage. Et vous savez quoi? L'occidental est à ce point pervers, il est à ce point arrogant, que les porte-paroles les plus tonitruants sont retournés en Afrique pour oser dire que l'Afrique n'est toujours pas entrée dans l'histoire. Ça vous dit quelque chose? C'était le terme de Sarkozy. L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et il a même osé dire sur le continent africain, je n'ai pas à m'auto-flageller pour les actes qui ont été causés ou posés par mes ancêtres à moi en parlant de Sarkozy. Ah oui? Vous n'avez pas à vous auto-flageller pour ça et pourtant vous jouissez des privilèges qui ont été mis en place par vos pères à vous, Sarkozy, sur le dos de nos ancêtres. Et à chaque fois, et je voudrais que vous entendiez cela, à chaque fois qu'il y a un leader de ses fils de déshérités, à chaque fois qu'il y a un leader de ses fils d'opprimés qui ose se lever pour réclamer justice pour les siens, qui ose se lever pour réclamer que son pays ou son continent s'organise mieux, eh bien, il est assassiné. Vous savez, historiquement, pas moins de 22 chefs d'État africains ont été assassinés par les pays de l'Occident. Pensez à Kadhafi. Kadhafi n'est pas mort parce qu'il est un dictateur, voyons donc. Kadhafi est mort parce qu'il a voulu mettre sur pied un système pour unir, n'est-ce pas, les pays africains, système grâce auquel ces pays africains allaient désormais gérer leurs propres ressources. Il a été assassiné pour ça. Pensez à d'autres comme Patrice Lumumba. Pensez à d'autres comme Thomas Sankara. Et même dans notre pays en Haïti, Jean-Bertrand Aristide a été renversé précisément parce qu'il a osé réclamer à la France la réparation pour cette fameuse dette de l'indépendance qui est évaluée aujourd'hui à 17 milliards d'euros. C'est ça, les amis, l'Occident. Si on veut en finir avec ces meurtres, si on veut en finir avec ces violences, et quand on dit violence, il ne faut pas seulement s'attarder au décès, il faut penser aussi au fait que le taux de chômage est toujours plus élevé chez les descendants des esclaves que chez les descendants des seigneurs. Quand on dit violence, il faut comprendre que l'éducation est plus accessible aux descendants des seigneurs qu'aux descendants d'esclaves. Donc si l'on veut changer ce système, c'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt. Il faut mettre le doigt sur le péché originel. Ici au Canada, nous avons un précédent. Après que les Anglais, après que les Français ont essayé et ont réussi à imposer toutes sortes de manœuvres pour détruire l'Indien chez l'Indien, pour l'assimiler,
pour lui faire perdre sa culture et sa langue. On a enfin, au 21e siècle, il n'était pas trop tôt, hein, fait une commission vérité et justice pour comprendre les crimes qui ont été commis contre les Amérindiens. Bravo! On a par ailleurs mis sur pied une commission pour comprendre les abus sexuels qui ont été commis par l'Église sur les mineurs. Bravo! Quand est-ce qu'on va mettre sur pied une commission pour comprendre les mécanismes d'abus qu'ont subi les Noirs, c'est-à-dire leurs ancêtres, et les Noirs d'aujourd'hui? Pourquoi personne ne nous prend au sérieux? Pourquoi on peut réfléchir sur les abus perpétrés contre les Amérindiens? Pourquoi on peut réfléchir sur les abus perpétrés contre les femmes? Pourquoi on peut réfléchir sur les abus perpétrés contre les mineurs? Mais le plus grand génocide de toute l'histoire, la plus grande déportation de toute l'humanité, personne n'ose y mettre le doigt. Aussi longtemps qu'on s'arrête à un meurtre, qui est regrettable, je le reconnais. Aussi longtemps qu'on s'arrête à deux, trois, quatre policiers qui interpellent, qui font du profilage, on s'arrête à l'arbre. Mais il faut voir l'ensemble. L'ensemble, c'est que les mécanismes de l'esclavage n'ont jamais changé. Les mécanismes d'une race de seigneurs qui domine sur une race de déshérités, ces mécanismes-là n'ont jamais changé. Et ne comptez pas sur les privilégiés pour changer le système. C'est à nous, les opprimés. C'est à nous, les fils d'esclaves, qu'il revient l'obligation de dire « Hey, c'est le système qui produit ces policiers racistes. C'est le système qui produit ces privilèges-là. C'est le système qu'il faut boycotter. C'est le système qu'il faut saccager. » Et vous savez quoi? Pendant qu'on va réclamer une commission vérité et justice sur les mécanismes qui ont conduit à l'esclavage et les privilèges qui sont accordés aujourd'hui aux descendants des esclavagistes, ce que j'appelle la classe des seigneurs, il y a un certain nombre de choses que nous, les peuples opprimés, devons faire pour arriver à cela. La première chose que nous devons nous rappeler, c'est ce que j'appelle notre conscience identitaire. Vous savez, ce qui me brise le cœur, c'est de voir des descendants d'esclaves, c'est de voir des Africains, c'est de voir des Antillais, c'est de voir des Haïtiens oublier que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils obtiennent comme diplôme, peu importe le poste qu'ils occupent dans la société, ils font partie des descendants d'esclaves. Au fait, Aimé Césaire disait, et il l'a même écrit, « Nègre je suis, nègre je serai ». Il faut développer cette conscience identitaire. On doit cela à nos ancêtres. Ne pas oublier les torts, les traumatismes, les abus qu'ils ont subis et que les descendants, justement, de ces seigneurs-là reproduisent par leur système. Je dois développer cette conscience identitaire, me rappeler régulièrement que dans la vie, il y a les privilégiés, il y a les opprimés. Dans la vie, il y a ceux qui se considèrent comme seigneurs parce que leurs ancêtres à eux se sont donné des moyens pour asservir d'autres et aujourd'hui, ils jouissent de ces privilèges-là, tandis que moi, quoi que je fasse, je resterai dans le camp des opprimés parce que je suis un descendant d'esclaves. Cette conscience identitaire. Et vous savez que la classe des seigneurs fait tout pour diluer cette conscience identitaire, pour nous faire oublier que, écoutez, c'est pas si grave que ça, vous n'êtes pas un noir comme les autres, vous n'êtes pas un africain comme les autres, vous n'êtes pas un antillais comme les autres, et ils peuvent même aller jusqu'à nous donner, à quelques-uns d'entre nous, des postes ronflants. C'est ce qu'on appelle des token blacks aux États-Unis, pour nous dissocier du reste
des déshérités. Peu importe la fonction que j'occupe, j'oublierai jamais que je suis descendant d'esclaves. La conscience identitaire. La deuxième chose que nous devons nous rappeler, le pardon, c'est la propagande des oppresseurs. C'est pas pour rien que j'ai commencé par vous rappeler que le système occidental s'est donné une superstructure. C'est la religion judéo-chrétienne. Que dit la religion judéo-chrétienne? Si on te gifle sur la joue droite, tourne la joue gauche. Est-ce que nous nous sommes jamais posé la question à savoir, mais qui a écrit ça? Pensez-vous que c'est celui qui a reçu la gifle, qui a écrit la Bible en disant, écoutez, si tu reçois une autre gifle sur la joue gauche, montre la joue droite? Pas du tout. La Bible est écrite précisément par la personne qui donne la gifle. La Bible, n'est-ce pas, est promue par la personne qui donne la gifle. Vous savez, et là je vais citer Elie Wiesel, nous n'avons pas le droit de pardonner. Le pardon, c'est la propagande des oppresseurs et c'est l'éthique ou la vertu imposée aux opprimés. Suivez bien le comportement de nos frères aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Et pas seulement aux États-Unis, heureusement. Nous sommes partout. Bien sûr qu'il y a des enfants qui font partie de la classe des seigneurs, qui nous accompagnent dans cette lutte légitime qui consiste à réclamer justice pour George Floyd. Mais dans les prochains jours, tout ça va disparaître. En attendant qu'on tue un autre Floyd. Nous pardonnons trop facilement. C'est ça notre faiblesse à nous. Nous pardonnons trop facilement. Nous oublions trop facilement les traumatismes et nous sommes prêts à passer l'éponge pour reprendre la vie comme si rien ne s'était passé. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas compter sur les descendants des seigneurs, donc sur les privilégiés d'aujourd'hui. Ceux dont les privilèges reposent justement sur le travail de nos ancêtres, on ne peut pas compter sur eux pour que le système change. Ce sont les descendants des déshérités qui doivent s'organiser pour que le système change. Regardez autour de nous. Quelles sont nos institutions? Nous avons deux ou trois institutions, deux ou trois organisations communautaires qui dépendent des gouvernements pour faire la charité littéralement. Mais avons-nous des institutions fortes, nous, comme communauté noire? Avons-nous des institutions économiques fortes? Où sont nos banques? Mais plutôt que de regarder vers l'autre pour dire, ah oui, mais c'est eux, les leaders, qui devraient nous mettre des banques. Mais jusqu'à quel point sommes-nous prêts à consommer ce qui est produit par les gens de nos communautés? J'ai déjà lu une statistique qui dit à peu près ceci. Quand un dollar entre dans une communauté juive, il reste pour environ une vingtaine de jours. Quand un dollar entre dans une communauté italienne, il reste pour environ une semaine et demie. Mais quand un dollar entre dans une communauté noire, il ne fait que passer 3 ou 4 heures. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas consommer les restaurants qui sont inventés ou mis en place ou gérés par nos frères noirs ou par nos frères africains. Nous n'allons pas acheter dans leurs boutiques. Nous n'allons pas acheter, n'est-ce pas, leurs produits à eux. Donc c'est normal que nous soyons toujours au bas de l'échelle parce que nous ne nous dotons pas d'institutions économiques fortes. N'oublions pas que l'oppresseur n'entend que le langage de l'argent. Les opprimés doivent tout faire pour occuper les avenues du pouvoir. Vous savez, ça fait quoi? Dans les années 60 que l'Occident a procédé malgré lui à la décolonisation de l'Afrique. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Par exemple, au Congo belge, lorsque les Belges sont partis du Congo, ils sont partis avec leurs cadres, ils sont partis avec leurs médecins, ils sont partis avec leurs professeurs, ils sont partis avec leurs gestionnaires, etc. Ah, en sorte que, la RDC a dû se tourner vers les Haïtiens. Hein? On a dit que en très peu de jours, des avions cargo de l'ONU ont atterri sur le tarmac, n'est-ce pas, de l'aéroport de Port-au-Prince, et là,
des frères haïtiens sont allés aider leurs frères congolais à mettre sur pied un système éducatif. Et moi, je dis, nous inspirant de cet exemple-là, si nous voulons changer les choses, nous devons investir les avenues de la politique. Au fond, c'est par la politique qu'on change les mœurs. C'est par les politiques publiques qu'on crée les écoles. C'est par l'école qu'on crée les mentalités. Donc, puisque la mentalité ou les mentalités du système occidental ne sont pas en nos faveurs, pour changer ces mentalités-là, nous devons investir les avenues du pouvoir. Nous devons apprendre à encourager tous ceux et toutes celles des nôtres qui s'engagent en politique et voter pour eux, faire campagne pour eux. Ne pas nous contenter d'applaudir, n'est-ce pas, un blanc lorsqu'il baragouine nos langues. Nous sommes à ce point romantique ou sentimentaux que dès qu'un fils de seigneur, hein, mon image de classe de seigneur, dès qu'un blanc parle l'une de nos langues, nous sommes prêts à lui donner notre fille ou notre mère pour qu'il couche avec elle parce que nous sommes flattés qu'il parle nos langues. Moi, je parle la langue de l'ancien maître. Personne ne m'applaudit pour ça. Personne ne me paye pour ça. Je n'ai pas d'emploi à cause de ça. Nous devons être solidaires entre nous. Et vous savez, notre solidarité découle de la première chose que j'ai dit, de notre conscience identitaire. Puisque nous ne sommes pas conscients que nous sommes dans le même bateau, que nous vivons les mêmes réalités, que nous sommes confrontés aux mêmes mécanismes d'oppression, eh bien nous ne sommes pas solidaires les uns des autres. Nous nous détruisons les uns les autres. Ah, mais vous me direz, ça c'est une graine qui a été semée en nous pendant l'époque de l'esclavage, c'est vrai. En sorte que le blanc nous divisait, il nous séparait, il nous dressait les uns contre les autres. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre cela et apprendre à nous supporter les uns les autres? Enfin. J'ai dit qu'il nous faut exiger une commission vérité et justice sur la période de l'esclavage. J'y vais d'un dernier point. La véritable justice commande une réparation. Tous les pays de l'Occident se sont enrichis grâce à l'esclavage. J'étais tellement content d'entendre le chef d'un parti au Québec, le chef du Bloc québécois, dire au Parlement canadien « Tous les gouvernements en Occident ont été racistes. Bravo, mon grand ami Blanchet. » Mais il faut aller plus loin. Tous les pays de l'Occident se sont enrichis à cause de l'esclavage. Qu'on parle de l'Angleterre, qu'on parle de la France, qu'on parle des États-Unis, qu'on parle du Canada, qu'on parle de l'Italie, mettez-en, ils sont devenus riches à cause de l'esclavage. Leurs fils à eux, leurs descendants aujourd'hui, jouissent des privilèges à cause du travail effectué par nos ancêtres à nous. Quand est-ce qu'on va réparer cela? Comment peut-on ne pas exiger réparation pour cette déportation? Comment ne peut-on pas exiger réparation pour cette somme de travail qui fait aujourd'hui le privilège des descendants des esclavagistes? Pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait réparation. Et vous savez quoi? Ce n'est pas à la classe des seigneurs de décider quelle va être la réparation de ce traumatisme. C'est à nous, descendants d'esclaves, de décider de la forme de réparation que cela doit prendre. Ce n'est pas une faveur que les seigneurs vont nous faire, c'est un droit que nous devons réclamer. Et n'oublions pas, ce droit-là, c'est notre droit à la respiration, c'est notre droit à une vie de qualité, nous aussi. Et nous devons exiger des tenants du système réparation pour les traumatismes, pour les blessures que nos ancêtres ont subies et que nous continuons de subir. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons transmettre ces mêmes traumatismes, ces mêmes blessures à la génération de nos enfants. Est-ce qu'on peut arrêter cela là? Pour arrêter cela là, comprenons les mécanismes du système occidental. C'est un système qui est basé sur les privilèges accordés à la classe des seigneurs, les descendants des esclavagistes et des contraintes imposées
aux vassaux, ce que j'appelle les opprimés, les descendants des esclaves. Allez dans n'importe quel pays occidental, vous allez voir, le taux de chômage est plus élevé chez les descendants des esclaves. Vous allez voir, n'est-ce pas, que les descendants d'esclaves ont accès plus difficilement à l'éducation. Ils ont donc une qualité de vie moindre comparée à la classe des seigneurs. Il faut que ça change. Plus on est conscient de cela, plus on sera déterminé à boycotter ce système. Ne perdons pas de vue la forêt pendant qu'on s'occupe de tel arbre qui est abattu. Il faut pleurer la mort de Floyd et d'autres Floyd, hélas, car il y en aura d'autres. Il faut exiger que les policiers soient traduits en justice. Ça, c'est l'arbre. Mais au-delà de l'arbre, exigeons que ce système injuste change. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Abonnez-vous à cette page pour que vous en soyez informés au moment même. Likez la page et aussi partagez nos vidéos. Quant à nos amis qui sont intéressés à voir nos livres, eh bien, ils sont disponibles sur ma page www.jeanfissaimé.com ou bien sur amazon.ca ou sur amazon.com.